Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène une semaine dans une villa au Cap d'Agde avec plein de youtubeurs. Ça va être une dinguerie. Vous les patins. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une semaine dans une méga villa avec plein de youtubeurs. Bon les amis, là il n'y a pas de youtubeurs, il n'y a pas de villa. On est un peu dans la cambrousse, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple les amis, là je viens de faire 4 heures de route. On arrive très bientôt à notre destination. Et du coup les potes là, juste impatients. On va aller rencontrer tout le monde et ensuite on va aller visiter la villa. Juste avant ça commence, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et c'est parti. Alors bon, je vous ai dit que j'avais fait les 4 heures de route, en réalité j'en ai fait 2 heures. Là il nous reste encore 2 heures d'attente. Ça va être assez long, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'est parti. Du coup là on s'est arrêté parce qu'en fait on avait plus de AdBlue, il y avait une alerte sur la voiture. Donc on s'est arrêté pour en acheter. Et là on a fait le plein. Bon évidemment vous me connaissez, j'en ai profité pour prendre la graille aussi. Oula oula, c'est quoi ça? C'est quoi? Alors attendez, il y a de la semoule là? C'est healthy ça? Des pommes? C'est quoi ce délire? Bon il y a quand même des saucissons. Pourquoi un repas aussi healthy de ma part? Tout simplement parce que pendant une semaine on va se goinfrer de burgers, de pizza. Donc là je fais des stocks de healthy un petit peu tu vois. La bonne salade d'autoroute hein, approuvée par Echebest hein. C'est pas bon, c'est dégueulasse. A few moments later. Ça y est, on est devant la villa et maintenant on va recevoir nos invités. Kiyoshi a 26 ans, il se croit drôle mais ne fait rire personne. Il sait dire le mot burger dans 20 langues différentes et il était déjà plus grand que sa mère à sa naissance. Maria a 26 ans, elle est russe mais elle ne boit pas d'alcool. Elle raconte à tout le monde qu'elle a l'oreille absolue et son premier petit copain l'a quitté pour un homme. Rayton a 25 ans, il organise des concours de paix avec ses amis. Il ne se déplace qu'en Uber et il a déjà léché un caillou. Xilia a 20 ans, elle se réveille tous les matins à 14h. Elle ne mange que dans les buffets à volonté et elle ne sait pas jouer sans l'aide à la visée. Willowclass a 24 ans, elle stream depuis 6 ans mais ne dépasse pas les 10 viewers. Elle va à la salle dans l'unique but d'avoir des grosses fesses. Elle a déjà goûté les huîtres au sucre. Neo a 18 ans, il défie tout le monde au bras de fer. Les gens l'appellent toujours Swan et il adore les gros bonbons. Ce qui c'est drôle, c'est que ça prenne 20 minutes, tu sais. Il y a un toboggan. Oh là là, la dinguerie. Waouh, wow. C'est grave beau. Moi, je vais faire du toboggan. Là, on va faire des barbecues, pizza aussi. C'est incroyable. Bon, on ne sait pas cuisiner, donc malheureusement. Ouais, du coup, on fera des pizzas. Ouais, j'ai un restaurant. Bon, est-ce que vous êtes chaud maintenant pour visiter l'intérieur? Ouais. Yes. Non mais ça s'ouvre comment là? Je comprends pas moi. C'est incroyable. Ah, c'est grand. C'est super grand. C'est fait exprès. Attends, il y a un incroyable. Il y a une autre piscine à l'intérieur. Oui, c'est la piscine à l'intérieur. C'est la piscine à l'intérieur, mais c'est trop bien. Ah, c'est grand. What the fuck? Si gros. C'est incroyable. On va un cache-cache. Ça prend. Ouais, pour un cache-cache, c'est énorme. Bienvenue dans la suite en fait. Il y a même pas une qu'une seule chambre. on va se débrouiller que Chi t'inquiète pas de suite en dehors. Moi je pensais prendre une vidéo pour moi tout seul. Moi j'ai compris. Chacun son lit. J'ai choisi le mien. Oui c'est bon. Des chambres. C'est bon. Je vais quand même prendre la chambre du haut. Écoutez voilà, fin de la visite. A few minutes later. Les amis, là, on va faire les courses avant que ça ferme. Je suis avec Kiyoshi dans sa voiture. Et ouais les gars, ma nouvelle voiture, incroyable. Bon du coup là il y a tout qui ferme, donc j'espère que ça va aller. On croise les doigts pour acheter le minimum syndical pour demain. J'espère que ça ira hein. Ouais ça va le faire, franchement ça va le faire. Bon bah c'est parti les gars, bon, les courses, bonheur, hein. Très important, jus d'orange. C'est bon, tu fais des trucs bien toi aussi. Là on est bien, ah ouais c'est bien, ça fait bien les... Non regarde, attends, j'ai pris des fruits, je compense. Ah ça va, tu vois c'est bon, c'est cool. Il a pris ça. Ouais non, de la Monster, attends c'est pas. Et ça. Rayton alors. Moi je pense que c'est bon. Ok bah je pense que tout le monde est prêt. Il y a volonté de m'humilier là. Mais non. Bon les potes, on vient de sortir du supermarché du coup. Lance un petit foot tranquille hein. Ça se passe bien. Attrape le ballon. Parce que là en fait on a fait tomber le ballon dans l'eau. Tiens, ouais, passe par là. Vas-y. Là je pense que tu peux l'attraper. Regarde, il est là. Là là. Voilà, là tu l'as là. Bon du coup vous nous faites quoi de bon les filles ce soir à la cuisine? Une salade de falafel. Il va se faire niquer. Je vais rien dire, on verra demain matin. Juste, si je te joue. Vas-y, fais le test. C'est un son de toi? J'envoie des messages à des meufs, je me rends. Je suis trop chaud! J'ai reconnu! Je mate des films de. Je suis dans le canapé, j'ai la fête. On faisait un foot et là on a perdu le ballon. Il est chez les voisins. C'est ma faute! C'est une école primaire, je crois, un truc comme ça. Mec, tu forces sur ça, regarde sur le bois. En fait, c'est une école primaire. Bah, regarde, attends. Mets ta cam au-dessus, tu vas voir. Mais apparemment ouais. Ah oui, mec, oui, tu te. Eh les gars, vous voulez pas que je prenne 2-3 trucs en passant hein? Vas-y, prends.
Vas-y, vas-y, récupère, récupère. C'est bon, j'ai récupéré. Ok, parfait. Les gros bâtards. Vous les bâtards. Les gars, un tir, un mort. Presque. Bon, bah attends, non, mais là, c'est. En vrai, au moins, il a visé les cages. Bien flop, c'est ça, hein. Bon, je vous montre comment on le met dans les cages. En fait, il suffit de tirer tout simplement en visant les cages. Et voilà. Et en fait, c'est d'avoir les cages et après vous tirez. Là, c'est ce qu'il faut pas faire, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ce que vous savez pas, c'est que ça fait 10 minutes qu'on est en train de tourner la même séquence et qu'il y a 3 minutes. Vraiment, t'es nul. Hein. Ah ouais, et là, regarde, y'a pas but là. Et là, y'a pas but, regarde. Bah non, y'a pas but. Je te jure, il a failli rentrer dedans. Oh, ouais, c'est à mon tour, Kefi. On croit en toi. Oh, mec, il a failli tellement rentrer dedans. En vrai, c'était pas loin. Les potes ont essayé de faire des paniers et il reste que Kyoshi et Willow qui n'arrive pas à faire un foutu panier. Kyoshi, il faut se réveiller là. Allez, vas-y, c'est là, mamie, que c'est pour la gagner. Oh là, j'ai peur. Allez, faut que je le mette. On essaie de mettre une main là. Putain. Mais moi, j'ai un merde. Mais non. Non, mais t'as déjà réussi toi, t'as gagné. Elle a déjà réussi. Ils ont tous réussi, c'est fini quand vous avez gagné. Bah, ça fait une heure qu'ils chauffent tout le monde pour essayer de gagner. Plus, moi, ça fait trop longtemps. Oh non. Kyoshi, il n'y arrive pas là. J'y arrive pas, mec. Un jour peut-être. Non mais vas-y. Putain, non mais il fait aucun effort. Let's go. Wesh. En ce moment j'ai tenu le verre. Désolé. Bon, c'est parti. On va grailler. Let's go. Allez, let's go. Est-ce que je vais réussir à sortir ça? Ouais, tu peux. Bon, reste du coup. Ouais, on va miam. Les potes, on a galéré à trouver un restaurant et on a fini à côté d'une appart dans un restaurant, c'est sympa. Tu l'as dit dans la voiture. Gros burger, les potes, regardez-moi ça là. Tranche d'œuf, bacon, sauce burger. Qui a l'air incroyable, les petites frites. Grosse dinguerie, hein. Et Kyoshi la pizza. Les potes, c'est on est allé à l'appart. Bon, par contre, ça ferme donc on va essayer de faire des trucs vite. À mon avis, il n'y a plus rien qu'on peut faire, ouais, mais on a le droit de faire des manèges ou. Ouais. C'est la référence. Ouais, gros flop. Les potes, par contre, l'adrénaline qui est tout là-bas là est ouverte. Hein. Donc moi, je dis que. Ouais, bah tu le fais toi l'adrénaline. Hein. Moi, j'ai envie de rester vivant perso. Mais il y a un ticket tout géant qui vaut le billet de joue. Mec, mais attends, mais il est incroyable. Comment on joue? C'est impossible de gagner, gros. C'est parti, les potes, Fortnite IRL, let's go. Faut tirer un jour, hein. Déconcentré. Ah voilà quand même. Voilà. Oh yes. C'est parti autour de Kyoshi, let's go. Oh putain c'est dur en vrai. Attends. Non, mais oh là là, mais il est chaud le Kyoshi là. Oh putain, ah je l'ai vu. Bon les amis, du coup là on a gagné un petit lot à la carabine. On a gagné un coffret Pokémon. Il se barre avec. Il se barre avec notre coffret. Donc on va faire un pack opening juste après. Bon, on va essayer de gagner des méga récompenses avec des anneaux. C'est parti, t'es chaud? Je suis chaud d'eau. Let's go. Pour les frérots. On dirait pas, je reviens de Haïti là. Merci. Reste en centre. En vrai moi. Oh, mec, il a eu le Tamagotchi. Il a eu le Tamagotchi, ouais. Tu l'as trop bien lancé, mec. Merci. C'est quoi, vas-y, je tente. Oh, let's go, j'ai gagné ce truc. Je sais même pas ce que c'est, mais ici. Tu l'as failli. Oh, mec, il a gaigné. Oh, putain, la chance, gros. Du Lego, là. Ça, mec, attends, je vais le tenter celui-là. Vas-y, tente. Oh, putain, j'ai gagné un truc sans pack. Bon, bah, c'est fini, hein. J'ai gagné quoi? Un truc pour sentir bon. Un Lego connecté. Et un truc pour sentir bon. Ouais, mais vous avez gagné plein de trucs, les gars. T'as gagné quoi, toi? Bah rien. Kyoshi ne veut pas dormir, apparemment. Mais moi, j'ai des gars, je suis venu passer des vacances. Dormir, c'est perdre du temps. Je vais pas perdre de temps. Temps, exactement. Voilà. Mais une heure du mat, là, les Le gars, m'attend. Mais demain matin, les frérots, à 9h, je serai comme ça. Je serai peut-être pas comme ça, je serai debout, mais peut-être pas comme ça, quoi. Vas-y, mais fais-le, c'est trop gros. Je sais pas la suite, moi, je sais que j'ai une gueule à écouter du Joule, frère. C'est quoi qui dit? C'est. On m'appelle tout. Et après, je suis parti, je crois, depuis le béton. J'ai les potes qui sont béton, alcoolisés au guidon, ils se reconnaissent dans mes sons. Ta gueule! Ce que nous vivons! Mais j'en peux plus de lui, les gars, il a que chanter! Il veut dire avalement, quoi, couper! Unboxing de cartes Pokémon, c'est parti! Avec Yoshi, ça. Attends, mec, il m'ajoute genre un tout petit peu, tu vois. Avec Yoshi, attends. Oh, regarde, j'ai eu Mew! C'est un Mew? C'est
celle-là, elle vaut une vingtaine d'euros. On commence avec Latias. Pilali Vestar. Oh, la chance. Mais Kyoshi, je sais pas si tu te rends de la chance de malade que j'ai. J'ai eu une Vestar direct. Voilà. Bon, ne brille pas, mais c'est parce qu'elle est encore plus rare. Ouais, bah, c'est ça. Et oui, c'est que des J'ai une vie. J'ai encore une vie. Mais c'est que des misprints. Tu vas gagner tellement de thunes. C'est là, c'est une secrète en plus. Tu vas gagner un max d'argent, je pense. Oh là là, mais c'est tellement. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, je vais me faire tellement d'argent avec ce booster. Primé, ça se voit que c'est du vrai. Bah oui, ouais, regarde, là, c'est une vraie. Enfin, il y a un milliard de cartes, c'est un support. Bah, regarde, il se fait quoi une vue. Mec, quand ça se plie, si ça se plie, ça revient droit, ça veut dire que c'est des vrais. Regarde. Bah là, regarde, ça se. Regarde. Attends, voir. Hop, attendez, ça va revenir droit. Regardez, hop, il revient droit. Et voilà. Et il n'y a pas de trace, hein. Il n'y a pas de trace. Incroyable. D'ailleurs, je peux la tordre, regardez. Elle va revenir droite. Franchement, cet unboxing est validé. Elle est passée de l'autre côté, mec. Mec, ça la tue. Je peux quand même 1,5 chez quel mot. Elle est partie, ah non, tu me l'as dit. Elle est là, elle est là. Elle est giga forte. On dirait l'épisode de Breaking Bad. Ah oui. Bon, vas-y, laisse-la vivante. Oh. C'est quoi, elle a gagné sa liberté. Elle a battu deux colosses. Attends, attends, quand même. Ouais, il dit ça, mais regarde. T'es trop gentil, mec. Tu vas vraiment genre chatouiller, c'est tout. Non, je crois que j'ai eu. Je crois qu'elle est là. Attends. Pas de pitié. Non, mais en fait, j'ai peur des insectes volants, les frérots. Même les mouches. Bah, j'ai juste pondre des œufs. J'ai pas peur, mais ça me met pas mal à l'aise en fait. Bonne nuit, Kyoshi. Mec, je suis mort. Bonne nuit, Rayton. Bonne nuit, mon gars. Je vais pas dire bonne nuit, moi je juste dis je suis mort. Ouais, c'est tout. Connard. Bonne nuit. Les gars. Allez, bonne nuit, tout le monde. Mec. Et à demain. À la prochaine pour la partie 2.